Et là, ça spoil l'invité. Mais vous êtes des menteurs, sérieux, on en a marre. On en a marre des menteurs. Eh, ça fait un an qu'on fait des conseils de classe, je sais très bien qu'il a pas spoil. Vas-y, c'est qui alors? Vas-y, c'est qui? Il a dit que c'était CH. Ça, il a dit? Tu bouges? Ciao, beau gosse. Merci, mon frère. Là, j'ai un pit sur le bras, donc Brad Pitt. Et là, j'ai un 9 au plat sur le mollet, donc un 9 mollet, tu vois. Tu fais quoi dans la vie, toi? Moi, je suis étudiant. D'accord. Bah, étudie encore un peu plus, ouais. Ouais, je vais peut-être étudier sur le tatouage. Ouais. Et tu veux faire quoi, là, bientôt? Là, bientôt, je vais peut-être aller boire un coup. Non, mais comme tatouage. Ah, comme tatouage. Je vais peut-être faire un tour sur le pied pour faire un piéton. Ah ouais. Tout le boîtier. Ah, c'est beau. Nouvelle maladie, les gars. J'ai une toux bizarre. Mais une toux grasse, une toux un peu grasse, genre semi-grasse, semi-sèche, semi-grasse. Du coup, je tousse encore, donc je suis pas neuf à 100%. Normalement, j'étais censé être neuf aujourd'hui. Mal obèse. Ouais, en fait, non, c'est pas obèse, c'est plus... En fait, lui, il disait que c'était vers son cœur. Du coup, nous, tu vois, moi, je me suis inquiété et tout. Je lui ai dit, ouais, faut aller à l'hôpital, etc., tu vois. Et bref, et au final, il a rien du tout. Et moi, mon lampadaire, il est où sur ma chambre? Où est ton lampadaire? Bah, le petit lampadaire que j'avais à côté de mon lit. Tu parles d'un truc comme ça? Oui. En haut? En haut? Il y a un oiseau, il est t'entend plus dans la nuit. Mais frère, t'es complètement taré? J'ai rien fait. Regarde, je suis là, je vais pas bouger. Ouais, je voulais faire une vidéo, je rentre en jet privé parce que en gros regardez, NASA, il avait un showcase à Toulouse le soir, tu vois, il avait un showcase je crois à 2h du matin, un truc comme ça. Et du coup, vu qu'il s'est fait éliminer après, il est parti. Mais le bouseux, il l'a fait. Je suis deg, le bouseux, il l'a fait. Le soir même où je devais le faire. J'ai trop la haine. Mais attends, écoute. Et en gros, il m'a dit quoi? Il m'a dit ouais, attends parce que je peux pas si je rentre dans les tarots, vous allez capter combien je gagne dans des OP. Eh, nique sa mère, tu sais quoi? En gros, tu t'en sors pour un jet privé entre 5 et 10. Tu vois, entre 5 et 10 punch. Et en gros, je me suis dit quoi? Je me suis dit la prochaine fois que je vais à Paname, si jamais je suis rentable par rapport aux OP d'au moins 50%, eh ben, je rentre en jet privé. Pour faire une vidéo une fois dans ma vie, tu vois ce que je veux dire ou pas? Imagine une fois dans ma vie. On était sur Paname, on s'est dit vas-y, on va rentrer. Mais avant de rentrer, on va passer par le bois de Boulogne, tu vois. On va parler à des travailleurs, à des travailleuses, à des gens qui travaillent dans la forêt, tu vois. Et il y avait un espèce de boulevard. Il y avait un espèce de boulevard avec plusieurs rues. Et Balti, il a dit ok, moi je prends cette rue, tu vois. Natos, il a dit ok, moi je prends cette rue. Et moi j'ai dit bon bah je prends cette rue. Et on a fait les rues, chacun on a fait les rues des autres, tu vois. Et on commence par la rue de Natos. Il y a que des trans, tu vois. On roule sur le côté à 30 km/h. Et on parle. Salut, ça va, vous allez bien? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a des clients? Vous venez d'où? Et tu sais, on se renseigne, tu vois. Ça vient du Pérou, ça vient du Portugal, ça vient de l'Allemagne, etc. Donc juste nous on discute, on descend pas de la Gova, tu vois. Balti, il est insupportable. Il pose des questions de merde, frère. Il dit ça va, il dit oui, il dit ta gueule et il continue à rouler. Non mais c'est trop, j'ai jamais vu un mec aussi couillu, sérieux. À chaque fois que je traîne avec lui, j'ai peur qu'il fasse un truc. Il passe, il voit des clients qui sortent des bois, il dit ça va, t'as bien charbonné, ça va, t'as bien mangé, c'était bien, Psartek frérot, t'as pas honte, que des trucs comme ça. Il va voir des clients, il se prend pour la police, la ceinture de sécurité, des trucs comme ça. Non mais c'était trop. Après on passe par la rue de Balti, c'était la rue des Renois, il y avait que des Renois, tu vois. En fait, c'est par quartier, c'est trop bizarre, c'est par quartier genre. Donc pareil, on passe, on discute. Et à un moment, c'est on a fini la rue des Renois et ils disent vas-y, on va faire la rue de Elias. Alors on passe dans ma rue et y a rien, y a personne, pas un client, pas une meuf, pas une gova. Et je pense que c'était le destin. Je pense que ça voulait dire que Balti il aimait les Renois, que Natos il aimait les trans et que moi j'aimais rien. Mais je vous jure que on n'a pas fait les frères. Attends, Fake, regarde tes messages Discord. Vas-y, je regarde mes messages Discord. Je viens de me chier dessus. Quoi? Tu t'es chié dessus en live? Mais wesh. Qui s'est retiré dessus? Qui s'est chié dessus? Mais toi, tu m'envoies ça en DM, t'es un ouf? Ah! Comment j'ai mal, frère! Ah! Ah! Ah, ça m'encule dans le cul, sérieux! Ouh! Tu vois, je commente un peu ce que je vois. Ok. Ouais, pas mal. Oui, bon. Oui. Quoi? Non, mais frère, ça c'est de l'abus. Je fais du football. Choisis un tiroir, au hasard. Non. Oh, t'es d'où remis un passage? T'es d'où remis un studio de quelqu'un? Bienvenue dans. C'est toi? Oh putain, y'avait vraiment un studio. Et je suis trop fort. Oh, c'est de la frappe ici, ouais. Samedi canap, on est carrément là. Oh, le foreshadowing. Là, ma petite déco. Attends, mais j'y pense, du coup, Inox il a sorti le room tour avant nous. J'y pense. Il a sorti le room tour avant nous, wesh. L'escroc. Plutôt pratique, tac tac, bim bim, ça s'ouvre. Moi je vais essayer de cliquer sur rien parce que sinon ça va me déconnecter. Pitié, je veux pas que ça me déconnecte. Ok, c'est bon, ça me déconnecte pas. Donc voilà, là vous avez la map, là vous avez tous les pays sur le teco, vous choisissez les gars et vous avez plus qu'à vous servir. Et voilà.
voilà. Et vous pouvez même zoomer sur la zone, tu vois, pour voir les pays où tu vas aller. Voilà. C'est partout dans le monde. Tac, tac, bim, bim. En esprit, les gars. Voilà, les refs. C'est juste le petit instant promo. NordVPN, code JL Fake Monster. Et voilà. Je crois qu'on l'entend au micro si je l'ai chopé. Pète dedans. Mais les cheveux sont bleus, là. Mais frère. Ah, je sais pas si tu l'as entendu, mais il était dégueu, ce P, wesh. C'est Thomas ? Il était fini. Attends, on l'entend juste. C'est Thomas qui a pété ? Non, oh, mais j'ai envie de vomir, c'était un pet de caca. T'as vu les pets qui sont vachement ouais. Serrés là. Et en plus, là j'ai la flemme de me lever parce que Bélec à tout moment en trace brune là. En tout cas, cette nuit, Céliane, tu m'as fait du sale, c'était ah ouais trop chaud. T'as bien aimé ? C'était ok. Ben ça me fait plaisir. Ça, c'est mon frère, ça. Ta mère. Ça ira. Je vais garder les coordonnées. D'accord. Non, mais il faut que je les écrive dessus. Non, vous inquiétez. Je vous retrouverai assez facilement. D'accord. Allez, bonne journée. Merci mais ça se voyait, il était trop riche ce mec, ça se voyait. En fait, il y a deux niveaux de richesse, je sais pas si vous avez remarqué. Il y a des mecs, ça se voit qu'ils sont riches parce qu'ils ont des marques de fou, des voitures de fou, des montres de fou, des sacoches de fou. Et ça, c'est le premier niveau de richesse. Et quand t'as surpassé ce niveau de richesse, t'es tellement riche que tu t'en bats les couilles. Et là, c'est des mecs comme Steve Jobs, comme Bill Gates, comme l'autre qu'on a vu, Pog, sur YouTube. C'est des mecs, frère, genre, ça se voit, ils transpirent l'oseille, mais ils ont des pantalons de clochard avec un polo unique. Couleur de clochard, frère, y a rien sur eux, rien du tout, et des baskets en cuir. Tout ce qu'il a sur lui, c'est une montre. Et ces mecs-là, ils puent l'oseille, gros. Regardez, cette photo, elle m'a été offerte. Par, frère, nous, je cherche depuis tout à l'heure. Attends. Redis une phrase. C'est mes frères, moi, je le cherche depuis tout à l'heure. C'est mes frères, moi, je le cherche. Ok, ouais, on t'entend chelou. T'as un micro de robot. Quoi, mon micro marche pas ? Ouais, ça fait Daft Punk. Même sur le live, les gars, ça fait ça. Je sais pas si sur ton live, ça fait ça. Je relance Discord. Non, sur le live, c'est bon. Ok, je relance Discord. Bouge pas, j'arrive. Non, mais j'ai pas de boost. T'as pas relevé le défi ? Attends. C'est pas fini. Et wesh ? Et wesh ? Non ! Le chien, viens, on va rester. Fils de pute ! Reste-toi bien. Tu fais comme ça. Mais partout. Putain, elle répond pas, elle est partie dormir, je crois. Arrête. Son dernier message qu'elle m'a envoyé, c'est demain, vous en avez ou pas ? L'appel là ? Ouais, j'essaye. Peut-être à moi va me répondre parce que moi elle est amoureuse de moi. Les femmes. J'appelle qui ? Allo ? Ouais, refaites. La vie de ma mère, espèce de. Ouais, on les livre pas, je m'en bats les couilles. T'es où là ? Quelle pute ! T'as besoin de câble ? Allo, Grim Bastard, mes couilles, tu veux de la coke ? Attends, je te rappelle. 600 ? Eh bah t'en auras 500 et on t'envoie la pause là dans 5 minutes, même dans 30 secondes. Vas-y. Et là, je sais pas être contre lui. En plus, il est grave gentil, c'est un nouveau. Bref, vas-y, garde-toi, je leur envoie la pause. Aïe, aïe, ouh, ça joue très bien. Oh là là ! Mais c'est incroyable, c'est quoi ces beaux combats ? Aïe, 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 aïe. Oh non ! Ah ouais, il a arrêté le combat. Let's go, je l'ai eu les gars, let's go, sa mère, sa grand-mère, on l'a eu les gars, on l'a eu, putain, oh la 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 la, sa mère, The Bee. Trafic de stupéfiants, ta mère l'apprend, t'es stupéfait. Ils voient que je suis méfiant, donc les condés déclarent forfait. Barillé six couches, t'assure qu'une seule balle est peu de chez coups. A ce qui paraît, je suis fou, et d'autres me comparent à un voyou. On est tous des brouillards, on charbonne dans le brouillard, et ces putes nous envient quand elles voient les yébés. On est tous dans le crime, on élimine nos cibles, et depuis que ça tire, on les voit tous courir. Tous ces acteurs m'ont mille démons, tous les canets, ça me démons.